Espagne, te nomme Alphonse von Worden, baron de Grootendorst et comte de Tolède, lieutenant-colonel aux gardes wallonnes. Pendant ce temps, dans son oratoire, Alphonse von Worden, retenu à Grenade, s'incline devant cet insigne honneur. Mais cet honneur ne lui fait pas oublier son rendez-vous. Allons, Garcia. Je ne veux pas qu'il soit dit qu'Alphonse van Worden ait pu prendre du retard une fois dans sa vie. Quelles que soient les circonstances. Déclare Luis Garcia vaincu. Car bien qu'ayant blessé son adversaire, son jeu était moins élégant dans l'ensemble. Or, il était convenu que seule la manière de mener l'assaut désignerait le vainqueur. Je refuse cet arbitrage! Vous aviez demandé cet arbitrage sur ma renommée parce qu'il ne se fait pas de duel ni à Madrid ni à Grenade sans que l'on me demande de l'arbitrer. Dans mon livre, qui est parfaitement exact, on ne mentionne aucun refus de cet arbitrage. Vous êtes en droit de le refuser. Mais je dois vous demander immédiatement raison de ce refus. Je crois que seule la mort peut arbitrer ce combat. Puissions-nous faire vite, monsieur. Les 16 personnes que je n'ai ni tuées ni blessées en duel au cours de ces 15 dernières années qui sont mes invités m'attendent en ce moment chez moi, pour célébrer mes noces avec Urraque de Gomérez, fille de l'œil d'or de Grenade et du sang des anciens rois de ce pays. Si je ne vous tue point, je serai ravi de vous savoir parmi les invités à la célébration de mes funérailles. Si je vous tue, je célébrerai mes noces comme prévu. En garde, monsieur, je vous prie. Allons, messieurs, on nous attend.
Monsieur de Alarcón. Monsieur de Híjar. Monsieur le duc del Soto. Votre Altesse. Don Pedro de Aragón. Monsieur le marquis de Los Vélez. Monsieur le duc d'Osuna. Monsieur de Castro. Mes chers frères d'armes, je vous ai choisi. Vous êtes les 12 hommes de Madrid qui ont eu le plus de duels. Vous savez assez combien de fois j'ai mis votre conscience en repos dans le cas où l'honneur semblait être compromis. Aujourd'hui, je suis obligé moi-même de m'en rapporter à vos lumières parce que je crains que mon propre jugement ne soit en défaut, ou plutôt parce que je crains qu'il ne soit obscurci par quelques sentiments de partialité. Voici la lettre que m'écrivent les magistrats de Bouillon, dont le témoignage est respectable, bien qu'ils ne soient pas des gentilshommes. Ils m'annoncent que mon frère est mort et que, n'ayant pas d'enfant, son fief des Ardennes m'est échu. Dites-moi si l'honneur m'oblige à habiter le château de mes pères ou bien si je dois continuer à servir le roi Don Philippe qui m'a comblé de bienfaits. Je laisse cette lettre sur la table et je me retire. Je reviendrai dans une demi-heure savoir ce que vous avez décidé. Une demi-heure plus tard, Alphonse Van Worden se présente aux voix. Il s'en trouve 5 pour rester au service. 7 pour aller vivre dans les Ardennes. Chers amis, cette journée qui devait être une journée de bonheur sera une journée d'adieu. Ainsi l'avait voulu Dieu et vous. Je tiens à amener avec moi deux représentants de l'Espagne. García Hierro, vous êtes le meilleur prévôt de salle qu'il y ait à Madrid et à Grenade. Consentez-vous à me suivre pour vivre désormais dans les Ardennes et devenir le maître d'armes du fils qui ne manquera pas de me venir. Je vous suivrai. L'autre choix vous appartient. Inigo Vélez, vous êtes théologien gradué, vous êtes mon aumônier. Acceptez-vous de nous suivre pour instruire dans la religion catholique et la langue castillane le fils qui ne manquera pas de nous venir. Monsieur le maréchal, permettez-moi de me présenter. Marquis d'Urfé. J'ai entendu dire que vous êtes l'un des hommes les plus en vue à la cour de France. Mais permettez-moi de vous entretenir en privé quelques instants. Mais certainement.
Seigneur Cavalier, votre chaise a devancé mon carrosse pour arriver avant moi à la poste. Ce procédé, qui en lui-même n'est point une insulte, a pourtant quelque chose de désobligeant, dont je crois devoir vous demander raison. Mais cela est naturel, ma chaise étant plus légère que votre carrosse. Il n'y a rien là de naturel, et quelle que soit la raison, votre chaise a devancé mon carrosse. Si une faute a été commise, elle l'a été par mes postillons. Je n'ai aucune part dans ce dépassement. Seigneur Cavalier, je ne prétends pas non plus faire de ceci une affaire grave. Je vais me contenter du premier sang. Attendez encore un instant. Il me semble que ce ne sont point mes postillons qui ont devancé les vôtres, mais que ce sont les vôtres qui, allant plus lentement, sont restés en arrière. Seigneur Cavalier, je crois que vous avez raison. Et si vous m'eussiez fait cette observation un peu plus tôt avant que j'eusse tiré mon épée, je ne crois pas que nous nous serions battus. Mais vous sentez bien qu'au point où sont les choses, il faut un peu de sang. Monsieur Durfay, je suis désolé pour la peine que je vous ai donnée. Où est-ce ? La guerre vous a valu tant de blessures qu'un nouveau coup ne peut guère que porter sur une ancienne cicatrice. Oh, mais quelle chance ! Le coup porté par le colonel a mis à jour une balle que nous n'avions pu extraire l'an dernier. Cela va être un jeu d'enfant. Et voilà. Puis-je vous offrir mes services? Je dois repartir immédiatement pour Paris. Je désire pour mon fils un parrain français, puisque son destin est d'être élevé en France. Acceptez-vous d'être le parrain du garçon qui doit me venir? Je lui souhaiterai l'habileté de son parrain. C'est un grand honneur pour moi. Je lui souhaite le courage de son père. Cela me rappelle le siège de Lérida où nous avons pataugé 3 semaines les jambes dans l'eau. Cependant, notre premier soin doit être de placer à sec le lit de mon épouse. Ainsi fut fait. L'âtre de la cheminée, légèrement surélevé, fut choisi pour y placer le lit rapporté d'Espagne. Et 9 mois après, jour pour jour, le fils, qui ne pouvait manquer d'arriver, arrive. Seigneur Alphonse van Borden, je vous présente Alphonse van Borden et Gomérès,
votre fils. La vie de cet enfant, Alphonse Van Worden y Gomérez, sera liée à la constellation des Gémeaux. Et son éducation commence. À 3 ans, le jeune Alphonse tient déjà à un petit fleuret. À 6 ans, il sait se battre à l'espagnol. Tirez ! À 12 ans, il peut tirer un coup de pistolet sans cligner des yeux. À 14 ans, il apprend l'escrime française. 16 ans est l'âge de la formation du jugement. Et Van Worden inculque à son fils tous les principes qui, plus tard, détermineront sa conduite. Il leur arrive fréquemment d'utiliser, le soir, à la veillée, la lecture d'anecdotes diverses, contenues dans un mystérieux gros volume qu'il conserve enfermé dans un coffre. Garcia Hierro, faites-nous, je vous prie, la lecture de cette anecdote. Mon fils, écoutez bien. Il y avait une fois dans une ville d'Italie appelée Ravenne, un jeune homme nommé Trivulz. Il était beau, riche et rempli d'une haute opinion de lui-même. Les jeunes filles de Ravenne se mettaient aux fenêtres pour le voir passer. Mais s'il prenait quelquefois un peu de goût pour l'une ou pour l'autre, il ne le lui témoignait pas, de peur de lui faire trop d'honneur. Enfin, tout cet orgueil ne put tenir contre le charme de la jeune et belle Nina dei Gerassi. Trivulz daigna lui témoigner son amour. Nina répondit que le seigneur Trivulz lui faisait bien de l'honneur, mais que depuis son enfance, elle aimait son cousin Tebaldo dei Gerassi et que sûrement elle n'aimerait jamais que lui. À cette réponse inattendue, Trivulz sortit en donnant les marques de la plus extrême fureur. Le dimanche suivant, il aperçoit les deux amants à l'église. Le prêtre monta en chaire et dit : Mes frères, je suis ici pour publier les bans de Tebaldo et de Nina dei Gerassi. Quelqu'un fait-il opposition à leur mariage ? J'y fais opposition, s'écrie Trivulz, et en même temps, il donna 20 coups de poignard aux deux amants. Calmez-vous, mon fils. Apprenez à écouter en silence et sans montrer aucune réaction. On voulut arrêter Trivulz, mais il donna encore des coups de poignard. Sorti de l'église, puis de la ville, et gagna l'état de Venise. Trivulz était orgueilleux, gâté par la fortune, mais son âme était sensible. Les remords vengèrent ses victimes. Il obtint du sacristain de venir prier sur le tombeau des deux fiancés autant de fois qu'il le désirait. Un soir, Trivulz se s'endormit près du tombeau. Et lorsqu'il se réveilla, il trouva que l'église était fermée.
prit aisément le parti d'y passer la nuit, car il aimait entretenir sa tristesse. Minuit sonna. Alors la porte de la sacristie s'ouvrit, et Trivulse se vit entrer le sacristain, tenant sa lanterne dans une main et un balai dans l'autre. Mais ce sacristain n'était qu'un squelette. Il sonna une petite cloche. Alors les tombeaux s'ouvrirent, et les morts y parurent, enveloppés dans leur linceul, et entonnèrent des litanies sur un ton fort mélancolique. Ils psalmodièrent ainsi pendant quelque temps. Puis un mort, revêtu d'un surplis et d'une étole, monta sur la chaire et dit: « Mon père, je suis ici pour célébrer les bans de Tevaldo et de Nina del Gerasi. Damné Trivulse, si faites-vous opposition ?» On vise Alphonse, à la place de Trivulse. Auriez-vous eu peur? Mon cher père, il me semble que j'aurais grand peur. Vous, frère! Fils indigne de moi. Tu déshonores en quelque façon le régiment des gardes Valonne où j'avais l'intention de te faire entrer. Monseigneur. Si j'osais dire mon avis à votre excellence, ce serait de prouver à monsieur votre fils qu'il n'y a point de revenant, ni de spectre, ni de mort qui chante des litanies, et qu'il ne peut y en avoir. De cette manière-là, il n'en aurait sûrement pas peur. Monsieur Hierro, vous oubliez que je vous ai montré hier une histoire de revenant écrite de la propre main de mon bisaïeul. Monseigneur, je ne donne pas mon démenti au bisaïeul de votre excellence. Qu'est-ce que vous appelez « je ne donne pas mon démenti » ? Savez-vous que cette expression suppose la possibilité d'un démenti donné par vous à mon bisaïeul? Monseigneur, je sais bien que je suis trop peu de chose pour que monseigneur, votre bisaïeul, vous lui tirez aucune réparation de moi. Hierro! Que le ciel vous préserve de faire des excuses, car elles supposeraient une offense! Monseigneur, il ne me reste plus qu'à me soumettre au châtiment qu'il plaira à votre excellence de m'infliger. Au nom de son bisaïeul. Seulement, pour l'honneur de ma profession, j'aimerais que cette peine me fût administrée par votre aumônier, pour que je puisse la considérer comme pénitence ecclésiastique. Cette idée n'est point mauvaise. Laissez-moi y réfléchir. Je vous donnerai ma réponse demain. Quant à vous, mon fils, j'accepte de vous donner une dernière chance. La chance d'avoir l'honneur de redevenir mon fils. Écoutez donc attentivement l'histoire que va nous lire Don Inigo. Dans une ville d'Italie appelée Ferrare, il y avait un jeune homme appelé Landulf. C'était un libertin sans religion. Ce méchant aimait passionnément le commerce des courtisanes. Et il avait fait le tour de toutes celles de la ville, mais aucune ne lui plut autant que Blanca de Rossi, parce qu'elle surpassait toutes les autres, en impureté. Blanca était non seulement libertine, intéressée, dépravée, mais elle voulait que ses amants fissent pour elle des actions qui les déshonoraient. Et elle exigeait de Landulf qu'il la conduisît tous les soirs chez lui et la fît souper avec sa mère et sa sœur. En apprenant cette demande, la bonne mère fondit en larmes et conjura son fils d'avoir égard à la réputation de sa sœur. Landulf fit la sourde oreille. Blanca redoubla d'insolence en voyant la bonté des deux femmes et tint des propos très libres. Enfin, elle leur signifia à toutes deux qu'elle ferait bien de s'en aller parce qu'elle voulait rester seule avec Landulf. Comprenant ce qui allait se passer, les deux femmes furent presque soulagées de s'en aller. Le lendemain, la courtisane raconta cette histoire dans toute la ville,
Et pendant plusieurs jours, on ne parla pas d'autre chose. Si bien que le bruit public en informa bientôt Odoardo Zampi, frère de la mère de Landulfe. Il poignarda le même jour l'infâme Blanca. Landulfe courut chez sa mère avec l'intention de l'accabler d'outrage. La pauvre mère était avec sa fille et allait se mettre à table lorsqu'elle vit entrer son fils. Elle lui demanda si Blanca viendrait souper. « Puisse-t-elle venir, dit Landulfe, et te mener en enfer avec ton frère et toute ta famille des empis ?»« Oh mon Dieu, pardonnez-lui, dit la pauvre mère en tombant à genoux. » Dans ce moment, la porte s'ouvrit avec fracas et l'on vit entrer un spectre, hâve, inondé de sang, déchiré de coups de poignard, et conservant néanmoins avec Blanca une affreuse ressemblance. La mère et la sœur de Landulfe se mirent en prière, et Dieu leur fit la grâce de pouvoir supporter ce spectacle sans expirer d'horreur. Le fantôme s'avançait à pas lents, et s'assit à table comme pour souper. Une horrible langue rouge lui pendait hors de la bouche, qu'il ouvrit si grande que sa tête parut se partager en deux, et il en sortit une flamme rougeâtre. Ensuite, il avança une main toute brûlée, prit un morceau de pain, l'avala, et on l'entendit tomber sous la table. Tous les morceaux tombèrent aussi sous la table. Et lorsque le plat fut vide, le fantôme, fixant Landulfe avec des yeux épouvantables, lui dit « Landulfe, quand je soupe ici, j'y couche. Allons, mets-toi au lit. » Mon fils Alphonse, à la place de Landulfe, auriez-vous eu peur? Mon cher père, je vous assure que je n'aurais pas eu la plus légère frayeur. Quelques années plus tard, Van Worden aborde avec son fils, devenu un homme, le problème des femmes. En d'infinies et passionnantes causeries, il informe aussi son fils de toutes les connaissances philosophiques, métaphysiques et autres qu'il connaît. N'oubliez pas, mon fils, que s'ils existent, les revenants et les démons sévissent de minuit au chant du coq. Mon père, qui est cette merveilleuse apparition? Une princesse, au moins. Mais qui est-ce? Mon fils, n'oubliez jamais non plus que le démon, pour se vouloir tentateur, prend souvent la forme la plus désirable pour un homme, celle d'une jolie femme. Vous voulez dire? Non. Dans ce cas particulier, je puis vous affirmer qu'il s'agit non pas d'un démon, mais tout simplement d'une amie de votre mère. Comment s'appelle-t-elle? Si votre mère et moi-même avions voulu que vous sachiez son nom, nous vous l'aurions présenté. Vous êtes donc à la fois bien naïf et bien impertinent de poser cette question. Je n'y répondrai pas, et votre mère non plus. Mais puisque les femmes semblent vous impressionner à ce point... Une femme? Oui, une femme, si vous voulez. Sachez néanmoins, pour votre gouverne, que la plus grande qualité d'un homme auprès d'une femme, c'est sa discrétion. Les femmes sont bavardes, elles aiment à se conter leurs aventures. Mais elles n'admettent pas ce trait chez les hommes auxquels elles ont accordé leur faveur. Et si un homme
contredit cette règle, elles le savent tout très vite. Et il voit aussitôt diminuer ses bonnes fortunes partout. Je m'en souviendrai, mon père. Avant votre mariage, tout vous est permis. Jouissez donc de l'alliance qu'elle vous apporte. Si la femme est vraie, et si elle est un envoyé du démon, ne tombez pas dans le piège. Examinez bien son corps. Si vous êtes appelé à voyager par le monde, certains accoutrements, certaines coiffures qui nous sont inconnues, peuvent masquer les cornes du démon ou ses pieds fourchus. N'ayez jamais peur. Chaque événement contient son explication, même si nous sommes incapables de la deviner ou de la comprendre. Ayez recours à la croix. Les tentateurs primaires s'effaceront. Mais certaines autres créatures démoniaques, succubes ou entités astrologiques, sont beaucoup plus subtiles. Seule votre honnêteté et votre sang-froid vous dicteront votre conduite. Mon fils, je n'ai plus grand-chose à vous apprendre. Je vous ai communiqué presque tout ce que je sais. Regardez toujours autour de vous et écoutez. Chaque chose, chaque événement, chaque être vivant vous apportera du plaisir, de l'expérience, des connaissances nouvelles. Chaque chose, même désagréable à première vue, est utile en soi. Mon éducation a tenté en premier lieu de vous apprendre à vaincre la peur. La peur engendre toujours des désordres regrettables. Un homme qui vainc sa peur est un homme contrôlé. Il a la possibilité de réfléchir, donc de prendre en main toute situation, quelle qu'elle soit. Mon fils, aujourd'hui est un grand jour. Votre éducation s'arrête là. Votre destinée est désormais entre vos mains. J'ai songé pour vous à l'honneur de vous faire entrer au régiment des gardes Wallonnes. Et j'ai obtenu une commission de capitaine que voici. Vous partez sur le champ. Et j'ai donné des ordres. Il est temps que je vous confie un secret que je tiens de mon père et que vous confierez à votre fils lorsque vous l'en croirez digne. Mon père, s'il s'agit d'un trésor caché, je n'ai jamais regardé l'or, vous le savez, que comme un moyen pour venir au secours des malheureux. Mon cher Alphonse, il ne s'agit ici ni d'or ni d'argent. Je veux vous montrer une botte secrète avec laquelle, en parant au contre et en marquant la flanconnade, vous êtes sûr de désarmer votre ennemi. Venez avec moi à l'armerie.
Mon fils, n'oubliez pas que le premier bien d'un gentilhomme est son épée. Le deuxième, sa foi. Et le troisième, sa parole donnée. Mon fils, n'oubliez pas que Dieu, dans sa clémence, vous fera peut-être subir maintes épreuves physiques et morales. Vous devez supporter les premières et déjouer les secondes. Mon éducation a tenté de vous armer pour ces épreuves. Je souhaite que Dieu vous éprouve pour que vous puissiez prouver votre courage, votre honnêteté et votre foi. Je souhaite que le diable s'attaque à vous, car le diable s'attaque aux êtres les plus purs. J'ai fait mes preuves, faites les vôtres. Vous irez par mer et entrerez en Espagne par Cadix. Je vous donne mes domestiques, Lopez et Mosquito, ils vous suivront partout. Je vous donne, mon fils, ma bénédiction. Il vous faudra aussi savoir trouver et aimer parmi toutes les femmes celle qui sera digne de prendre dans votre cœur la place de votre mère. Allez, mon fils. Mon jeune seigneur, veuillez m'indiquer la route à prendre pour aller à Madrid. Il y en a trois. Mais il faut prendre celle de Jaén, par là, ou celle de l'Estramadour, par là. Et la troisième? Pourquoi ne pas la prendre? Mon jeune seigneur, même les archers de la Saint-Hermandade, dont vous connaissez la réputation et la bravoure, refuse de se charger d'aucune expédition dans la Sierra Morena. Pourquoi? Cette Sierra est habitée par quelques bandits ou bohémiens qui mangent les voyageurs qu'ils assassinent. Mais ce n'est pas tout. Les quelques rares rescapés sont revenus avec les yeux crevés ou les membres déchiquetés. Et tous attestent par Saint-Jacques de Compostelle que le voyageur se rendant dans cette contrée sauvage, est assailli par mille terreurs capables de glacer
les courages les plus hardis. Des voix lamentables se mêlent au bruit des torrents. Des mains trompeuses l'égarent. Des mains invisibles le poussent vers des abîmes sans fond. Ceux qui ont pu atteindre, sains et saufs, le torrent du Guadalquivir, ne peuvent résister aux tourments de la montagne des trois frères. Trois brigands, dont l'un, Zotto, a disparu. Les deux autres ont été pris et pendus à une potence en haut de la montagne. Leurs corps, animés par les démons, se détachent la nuit et quittent le gibet pour aller tourmenter les vivants. D'autres disent que ces deux hommes furent condamnés à tort, à la potence. Et depuis, ils hantent de leur vengeance les chemins de la Sierra Morena. Des trois routes, laquelle est la plus courte? Celle de la Sierra Morena. C'est donc celle que nous prendrons. Mon jeune seigneur, je vous conjure de choisir l'une de celles qu'empruntent les voyageurs. Ce choix peut convenir à des voyageurs ordinaires. Mais le roi, ayant eu la grâce de m'honorer d'une commission de capitaine aux gardes wallonnes, les lois sacrées de l'honneur me prescrivent de me rendre à Madrid par le plus court chemin, sans demander s'il est le plus dangereux. Mon jeune seigneur, votre grâce me permettra de lui dire que si le roi l'a honoré d'une compagnie aux gardes avant d'en avoir l'âge, il serait expédient de faire des preuves de prudence. Je dis que lorsque les démons s'emparent d'un pays, sachez que la malchance ne s'acharne que sur les poires et les paresseux. Par là. À l'heure du déjeuner, nous trouverons de l'eau et de l'ombre à Los Alcornac. Nous y mangerons nos provisions, puis nous coucherons la Venta Quemada. Demain matin, nous y ferons nos nouvelles provisions et nous serons prêts à affronter le passage des montagnes. Vous voyez bien qu'il n'y a rien d'alarmant. Et voilà. Thank you.
Lopez, occupe-toi du dîner. Mosquito s'occupera des chevaux. Son cheval aussi. L'aubergiste d'Andorar nous l'avait bien dit. Ce sont sûrement les démons qui ont emporté Mosquito. Hélas, pourquoi ne me suis-je pas rapporté à Fray Jeronimo de la Trinidad, moine, confesseur, prédicateur et oracle de notre famille. Il est le frère de la belle-sœur, du beau-fils, du beau-père, de ma belle-mère, et se trouve ainsi le plus proche parent que nous ayons. Rien ne se fait dans notre maison que par ses avis. Je n'ai pas voulu les suivre et je m'en trouve justement puni. Oh, il m'avait bien dit que les officiers aux gardes wallonnes étaient un peuple hérétique, avec leurs cheveux blonds, leurs yeux bleus, leurs joues rouges. Au lieu que les vieux chrétiens sont de la couleur de Notre-Dame d'Atocha, peinte par Saint-Luc. Tais-toi, impertinent bavard. Regarde ce que j'ai trouvé, il reste 4 filles. Je vais prendre mon fusil. Tu vas rester garder les chevaux. Je vais essayer de découvrir Mosquito, du moins sa trace. Au nom de tout le saint, ne me laissez pas seul dans un lieu si plein de dangers. Oh. Bon, je reste à garder les chevaux. Tu vas voir si Mosquito est derrière cette colline. Non! Je préfère rester ici. Mosquito! Mosquito!
La montagne des trois frères.